Donc, cette semaine a été entièrement consacrée à la prévention de l'essaimage. Donc, c'est-à-dire que j'ai visité l'ensemble de mes colonies, enfin une partie, parce que je n'ai pas encore fait tout le tour. Donc, dans ce cas précis, je fais une visite de l'ensemble de mes ruchers. Et donc, en fonction de la force de la colonie, je prélève des cadres de couvain fermés. Donc, en fonction de la force de la colonie et de son état d'essaimage, je prélève entre 2 à 3 cadres de couvain fermés. Donc, je vous laisse voir tout ça en vidéo. Aujourd'hui, on est le lundi 23 avril et avec Mélanie, on est venu pour faire des essaims artificiels avec les dernières graines fécondées qu'on a prélevées ce matin. Et on va aussi doubler les hausses sur les ruches de production là, qui sont derrière moi. On a déjà commencé là à poser les deuxièmes hausses parce que les ruches bossent dur. Là, on a eu la semaine dernière des températures à 28 degrés. Donc là, les abeilles bossent à fond. Et ben, c'est parti pour voir le prélèvement des cadres et puis la pose des deuxièmes hausses. Donc c'est parti pour le prélèvement des cadres sur celle-ci. Celle-ci, on va pouvoir la doubler une fois qu'on aura pris les quatre parce que, comme on peut voir, ça s'est bien rempli. Les cires sont bien blanches et ça fait plaisir à voir. Donc j'enfume un petit coup, je décolle la hausse. Donc on va prélever deux quatre de couvain fermé. Et par la même occasion, on va vérifier que la ruche elle n'est pas en état d'essaimage. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas soit des ébauches de cellules royales ou alors carrément des cellules royales fermées. Donc là, on a un début de cellules royales. Donc avec la gelée et puis la larve à l'intérieur, donc celle-ci, il faut la retirer. Donc là, on a une belle cellule royale. Donc c'est pareil, on va la... Enfin, même deux. Deux belles cellules royales. On va les retirer aussi. En retirant les cellules, il faut vérifier aussi qu'il y a des œufs. Donc là, dans ce cas-là précis, il y a des œufs aussi. Donc ça veut dire que la reine est encore là et que la colonie n'a pas essaimé. Elle est pleine de cellules, celle-ci. Donc ces cadres-là, je les mets de côté et puis je détruirai les cellules royales par la suite. Voilà, là, on a un beau cadre de couvain fermé avec un début de cellules royales. Donc, comment on va prélever ce cadre-là? Pour faire nos essaims artificiels avec la reine fécondée. Donc du coup, je suis obligée de retirer les cellules royales que les abeilles ont construites. Parce que dans le cas précis où on met la reine fécondée, les abeilles, elles vont préférer élever la cellule royale plutôt que de s'occuper de la reine fécondée. Donc le cas suivant, c'est pareil. Il y a une belle cellule royale également. Là aussi. Donc celui-ci, comme il est fort ouvert, je ne vais pas le prélever. On va peut-être prendre celui-là et puis... C'est par là.
Et la reine, elle est là. Donc là, comme on peut voir, la reine fécondée, elle commence à mincir énormément. Donc là, c'est qu'elle est presque en état d'essaimage, quoi. Elle est prête à partir et à faire un essaim primaire. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends 3-4 de couvain fermé pour vraiment dégrossir la colonie et essayer de calmer la fièvre d'essaimage. On a prélevé même 3-4 de couvain fermé pour vraiment dégrossir et éviter qu'elle essaime. Donc là, je détruis les cellules royales qui sont sur le cadre. Là, c'est bon. Donc on va prendre 3-4 comme ça. Donc on prend les cadres pour éviter justement qu'elle essaime. Voilà. Donc celui-ci, je le mets de côté. On va le prendre pour faire les essaims artificiels. Et puis, je vais compléter les espaces vides avec les cirgots. Donc là, je mets ma cirgopée ici parce que là, il reste 5-4 de couvain. Donc je ne vais pas scinder le couvain avec une cirgopée en plein milieu. C'est pas bon pour la colonie. Ça risquerait qu'elle élève des cellules royales d'un côté ou de l'autre de la cirgopée. Donc là, je mets ma cirgopée entre le couvain et les provisions. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre deux cirgopées, les provisions. Et le couvain restera dans le milieu de la ruche. Voilà. Et la dernière. Comme ceci. Donc on va refermer la ruche. Reposer la housse de la colonie. Voilà. Et comme la housse est déjà bien remplie, on va lui poser une deuxième ruche. Donc c'est bon pour celle-ci. Donc on va aussi prélever des cadres sur celle-ci. Donc on va peut-être prendre celui-ci comme cadre de couvain fermé pour faire un essaim artificiel. La reine, elle est sur le cadre. Donc c'est une reine blanche, c'est une reine de 2016. Donc là, c'est sa deuxième année de production. Apparemment, celle-ci, elle n'a pas de cellule royale. Donc dans ce cas précis, s'il n'y a pas de cellule, je prends que 2-4 de couvain fermé. Je ne vais pas prélever plus pour affaiblir la colonie. Donc on va essayer de trouver deux cadres fermés, tel que celui-ci, pas mal non plus. Non, pas de cellule royale sur les rives du cadre, ni en bas. Donc on va prendre ces deux cadres-là pour faire notre essaim artificiel. Donc là, je vais resserrer tous les cadres de couvain au milieu. Et je vais mettre mes cirgopées soit en rive, soit entre la bouffe et les cadres de couvain. Donc là, j'ai resserré tous mes cadres de couvain ensemble. Comme il y avait de la ponte sur la rive, j'ai remis le cadre de rive avec tous les cadres de couvain. Donc là, on a 2, 4, 6, 7 cadres de couvain et un cadre de provision en rive. Et donc, je complète les espaces vides avec les cirgopées. Voilà, donc c'est bon pour celle-ci. On va aller mettre les 4 de couvain fermés dans notre ruche pour faire notre essaim artificiel avec la reine fécondée. On va reposer sa grille à reine ainsi que sa housse. Et puis, bon là il y a un peu de miel dans la housse, mais on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de place à remplir sur les côtés, donc je vais pas doubler la housse tout de suite. J'attends généralement que ça soit bien rempli pour poser la deuxième.
Donc, eh bien voilà, on vient de terminer de faire nos essaims artificiels avec Mélanie et puis on a fini de poser les deuxièmes housses sur presque l'ensemble du rucher. Là, les housses se sont vraiment bien remplies la semaine dernière là, avec les températures élevées qu'on a eues. Et puis la première épine commence à défleurir chez nous. Le pissenlit est en milieu de floraison encore. Et là, on commence à voir les toutes premières aubépines qui commencent à fleurir. Donc là, il y a beaucoup de pollen et de nectar qui rentrent encore dans les ruches. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la journée du lundi. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 25 et avec Mélanie, on est parti pour encore réintroduire des rennes fécondées de 2017. Donc on a chargé le camion en ruche et en ruchette et en housse pour doubler les housses. Parce que ça se remplit plutôt pas mal, donc on a posé les housses la semaine dernière et là c'est quasi plein. Donc on va prélever du couvain dans les ruches de production pour introduire nos rennes fécondées. Donc là on arrive au bon moment parce que c'est la période de l'essaimage, donc elles ont tendance à nous faire des cellules royales ou des ébauches. Donc du coup on visite la colonie et en même temps on retire les cellules et on prélève du couvain. Les housses pour la récolte, on les dispose toujours comme ça et donc on enfume bien pour refaire descendre les abeilles dans la ruche de production. Et ensuite on retire la grille à rennes aussi et ensuite on passe le souffleur thermique ou électrique sur les cadres pour retirer toutes les abeilles qui sont dans la housse. Et on a aussi raboté la latte en plastique qui se trouve d'un côté et de l'autre de la housse. Donc là on peut voir, il n'y a plus du tout de latte en plastique sur le côté de la housse. Comme ça permet d'avoir les housses à plat et de pouvoir souffler sans que la housse tombe et culbute au moment où on récolte les housses de miel. Donc on va prélever des cadres sur cette colonie pour faire un essaim artificiel. Et donc on va regarder déjà si elle a des cellules royales. Premier beau cadre de couvain fermé. Donc apparemment il n'y a pas de cellule royale. La reine est dessus. Et juste ici, une reine de 2016. Donc on va la mettre de côté. Donc pour faire un essai artificiel, il faut bien faire attention de ne pas prélever la reine dans la ruche de production et l'introduire en même temps que la reine fécondée. On va continuer la visite. Donc celui-ci c'est du couvain ouvert, c'est pas ce qu'on recherche. L'ouvert aussi. Celui-ci c'est un cadre de couvain fermé avec du couvain de mâle. Prélever plutôt ce genre de cadre. Donc on voit là, elles ont vraiment ramené beaucoup de pollen en dernier parce qu'elles ont, je vais vous montrer de plus près, elles ont stocké du pollen dans le nid à couvain. Donc généralement elles font pas ça, elles stockent le pollen plutôt sur le haut du cadre mais jamais dans le milieu quoi. Mais là comme c'était un peu le bazar et que tout rentrait en même temps, fallait bien le stocker quelque part. Donc ils n'ont pas eu le choix, ils l'ont mis là où il y avait de la place. Donc ça c'est une petite amorce, mais il n'y a pas d'œuf dedans. Donc il n'y a pas de cellule royale sur cette ruche. Donc quand c'est comme ça, je lui prends deux cadres de couvain fermé. Donc on va prendre nos deux cadres. Par contre, j'aurais bien pris le cadre avec la reine fécondée. Donc je vais la retirer du cadre.
est-ce qu'elle est? Elle est partie de l'autre côté. Oui, elle est ici. Donc c'est comme ça, je la retire et je la remets au-dessus des cadres. Elle va repartir dans la ruche là, tranquillement. Si elle arrive à la passer, la pauvre est trop grosse. Donc voilà, donc on va prendre deux cadres de couvain fermés. Et puis on va aller voir Mélanie qui va nous préparer ça sur le camion. C'est parti. Donc on va introduire la reine fécondée entre les deux cadres de couvain fermés. On va quitter qu'elle tombe. Et puis on a mis un petit bâton aussi sur la cage pour éviter que la cage tombe au fond de la ruchette pendant le transport. Donc alors après avoir retiré nos deux cadres de couvain fermés, on va resserrer tous nos cadres de couvain dans le centre de la ruche. Donc là, on a un cadre de couvain fermé. On va vérifier que sur la rive, la reine n'a pas pondu. Donc dans ce cas précis, il y a des œufs. Donc dans ce cas-là, je vais resserrer tous les cadres de couvain. Donc là, il y en a 7 cadres de couvain, un cadre de provision. Et entre les cadres de couvain et la provision, on va mettre des cires gaufrées qu'elles vont bâtir assez rapidement vu qu'on est en pleine mielée en ce moment. Voilà. Et un cadre de cire gaufrée en rive puisqu'on a encore du couvain sur l'ancien cadre de rive. Donc voilà. Tout ça c'est fait, on n'a plus qu'à enfumer un petit coup, reposer la grille à reine et puis voir s'il ne faut pas poser une deuxième housse sur cette colonie. On va regarder. Bah, c'est un peu lourd quand même. Ouais, donc là on va poser une deuxième housse, replacer les cadres. Peut bouger et voilà, donc la deuxième housse par là et voilà, c'est bon pour celle-ci. Donc celle-ci pareil, donc on est en train de faire tout le rucher comme ça, on prélève des cadres de couvain pour faire les essaims artificiels. Donc celle-ci je viens de l'ouvrir et donc il y a des cellules de royale ouvertes. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, s'il y a des cellules royales ouvertes ou des cellules royales fermées, je lui prélève 3-4 de couvain. Hein, quand on voit tout ça, plus la cellule royale là, qui est en bas. Donc on va lui prélever 3 cadres, je pense que ça va pas lui faire de mal. En plus sa housse elle est blindée en miel, donc là elle va pas tarder à essaimer quoi. Donc quand c'est comme ça, il faut retirer les cellules royales. Donc on les écrase ou on les retire carrément, on lève cadre. Voilà. On a une petite aussi ici. On va retourner le cadre. Donc là, on a une belle. Sur le reste des cadres, du cadre, ça a l'air correct. Donc on va prendre celui-ci pour... Je vais le mettre de côté pour faire un essai artificiel. Mais non, j'en ai encore une dans le bas du cadre. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va voir... pour trouver un deuxième cadre de couvain. Celui-ci il est quand même fort ouvert dans le milieu, donc puis la reine elle est en bonne. Reine fécondée de 2016. Donc là elle n'a pas essaimé, mais on voit que
Voilà, plus trop de place où pondre la pompe, donc on va essayer de lui faire un peu de place et lui mettre des 3-4 de cire gaufrée pour les pousser à bâtir et éviter qu'elles essaiment. On va voir si la cadre de couvain fermée de ce côté-là. Donc ça, c'est tout ouvert. C'est vraiment tout pondu. On a nos mâles là qui se promènent sur les carnes. On a encore un beau ici là. Donc c'est un faux bourdon. Et donc c'est tout ouvert de l'autre côté aussi. Donc on va essayer de voir de l'autre côté ce qu'on peut trouver. Sur le cadre de rive là, il y a peu de chances que je trouve du couvain fermé parce que généralement elles mettent du miel. Donc bah, il y a celui-ci qui devrait convenir. Donc couvain fermé, il y a un peu de couvain ouvert dans le milieu, mais ça c'est pas gênant. On va surtout bien regarder s'il y a des cellules royales. Donc on regarde s'il y a des cellules royales en bas du cadre, donc ici ça a l'air d'aller, là aussi, sur les côtés ça va, sur le milieu du cadre, c'est bien souvent elle les planque un peu comme celle-ci, ça c'est une, ah bah il y a un œuf dedans dans celle-là, donc c'était une future cellule celle-ci, et sinon, donc on va prendre ces deux-là, et on va les mener au camion pour... mettre la reine fécondée et former les seins artificiels. Donc c'est parti. Donc on a prélevé nos 3-4 de couvain fermés. Là on avait déjà un essaim artificiel en attente, donc qu'attendait qu'on lui remette un deuxième cadre de couvain fermé. Donc on va faire déjà celui-là. C'est parti. Donc on a introduit le cadre de couvain. Donc à côté il y a un deuxième cadre de couvain fermé. Et puis au milieu, on va introduire la reine fécondée avec ses accompagnatrices. Donc pour celui-ci, c'est OK. Et puis on va aller chercher les deux cadres de couvain fermés pour le second. Donc pour le second essaim, donc, toujours pareil, on introduit les deux cadres de couvain fermés. Donc comme vous me le demandiez, moi je refaline pas du tout mes essaims artificiels. Je mets mes cadres de couvain que je viens juste de prélever de ma ruche de production, les deux cadres de couvain fermés, et j'introduis ma reine fécondée aussitôt après avoir introduit mes deux cadres de couvain fermés dans ma ruchette. Donc voilà, on a placé nos deux cadres de couvain fermés, notre cagette avec notre reine fécondée au milieu, et donc pas d'orphelinage, hein. L'acceptation se fait très bien, j'ai presque 100% d'acceptation, hein. S'il y a un refus, bah, des fois ça peut arriver qu'on prélève la reine de production, si on ne l'a pas vue, donc, ça arrive une fois sur... sur 200-300, c'est ça qu'on fait, donc il y a un peu de marge. Et donc après, moi je peux me permettre de travailler comme ça, de ne pas orpheliner mes essaims avant d'introduire mes reines fécondées parce que je travaille en buckfast, mais après en travaillant avec de l'abeille noire, je sais qu'elle est un peu plus compliquée. Donc moi à l'époque où je travaillais avec de l'abeille noire, j'orphelinais mes essaims 8 jours avant. Le 8e jour, j'introduisais la reine fécondée, mais je détruisais toutes les cellules royales qu'elles ont pu bâtir pendant les 8 jours d'orphelinage. Donc voilà, moi je les introduis directement et ça fonctionne bien comme ça. Donc on va refermer les seins artificiels, donc on va reposer le plastique par-dessus et puis le toit, et puis c'est bon pour celui-ci. Donc bah là on détruit toutes les cellules royales qui se trouvent sur le reste des cadres de couvain de cette ruche. Donc j'ai cassé toutes les cellules.
va remettre un petit coup de fumée parce que ça déborde. Donc on a remis un petit coup de fumée. Et donc je vais placer mes cires gaufrées. Donc là j'ai resserré tout le nid à couvain, donc là il reste 5 cadres de cire gaufrée. Donc je lui avais pris 3 cadres de couvain fermé parce qu'elle était en état d'essaimer. Donc du coup il fallait la dégrossir un petit peu pour éviter qu'elle essaime. Et là donc j'ai un cadre de provision et le restant c'est du couvain, donc je place ma cire gaufrée comme ça. Donc on va replacer la grille à rennes. Et là. Et on va replacer la housse comme ceci. Et on peut voir là, la housse elle est quand même bien remplie. Le miel il est même operculé sur le dessus. On va sortir un cadre juste pour plaisir des yeux là. Là on a un cadre de miel avec un peu de pollen là dans le milieu. Et là c'est le miel qui a été operculé par les abeilles. Donc une fois que les abeilles voient que le miel est. Qu'elles ont retiré l'eau et que le miel est assez sec pour se conserver, elles operculent le rayon de miel avec une fine pellicule de cire. Et là on voit tout le nectar frais qui a été rentré il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc on va replacer tout ça dans la housse. Donc maintenant vous comprenez pourquoi j'ai pris 3-4 de couvain sur celle-ci, parce qu'il y a énormément d'abeilles et dans la housse et dans le corps de ruche. Donc celle-ci, si on n'avait rien fait, d'ici quelques jours elle aurait été accrochée à un arbre, donc il vaut mieux la garder avec nous pour qu'elle continue à produire du miel. On lui pose sa deuxième housse, voilà comme ceci. Et c'est bon pour celle-ci. Donc là, on a contrôlé les cellules royales et donc il y en a une de nez, comme on peut voir. Et la reine vierge, elle se trouve. Je suis trouvée sur le cadre. Elle se trouve au milieu du cadre. Alors, je ne sais pas si on va la voir bien comme il faut. On le voit passer là. Elle est repassée de l'autre côté. Alors, la reine vierge, elle est. Elle est ici, voilà, on la voit bien sous le lève-cadre. Donc elle a quelques heures celle-ci. Donc et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur la dernière semaine du mois d'avril. Ça a représenté une grosse part du travail entre fin avril jusqu'à mi-mai, jusqu'à la fin de la plus grosse période de l'essaimage chez nous. Donc vous allez vous dire, oui, je fais des essaims artificiels, mais donc en prélevant des cadres, tu vas perdre du miel. Ça c'est certain, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc moi je préfère faire des essaims artificiels, prélever du couvain, désengorger un peu les colonies pour éviter qu'elles essaiment, et donc avoir toujours des colonies en production et pas des colonies qui ont essaimé et qui après ne font plus rien sur la mielée d'après. Donc c'est pour ça que je fais des essaims artificiels, hein. Donc c'est certain que je perds une petite partie du miel parce que ça ne les empêche pas quand même de produire du miel malgré les 2 à 3 cadres de couvain que je leur ai prélevé. Hein. Et puis en même temps, ça me permet aussi de renouveler les cires à l'intérieur de ma ruche. Donc au niveau hygiène, ça leur fait pas de mal non plus. Donc et bien voilà ce que je pouvais dire sur cette dernière semaine du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis que vous aurez pu comprendre un petit peu le fonctionnement de la fabrication de mes essaims artificiels, donc pour éviter l'essaimage. J'ai pas de grande solution à vous apporter à part de casser les cellules royales dans les colonies. C'est la seule solution jusqu'ici que j'ai trouvée pour éviter l'essaimage de mes colonies. Donc et bien je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.